L'Union européenne va-t-elle leur rouvrir le passage? Les dizaines de milliers de migrants qui sont bloqués en Grèce et veulent poursuivre leur route vers l'ouest et le nord attendent dans l'angoisse la levée des mesures de restriction de circulation. Au moment où se tient à Bruxelles le sommet Union européenne-Turquie, ces réfugiés s'entassent dans des conditions misérables à la frontière avec la Macédoine, toujours fermée. J'espère qu'ils vont ouvrir la frontière pour tout le monde après cette réunion et que tout le monde pourra continuer et commencer une nouvelle vie, s'échapper de la guerre et de notre ancienne vie. Il serait 13 000 au poste frontière grec d'Idoménie. On ne peut pas forcer l'Union européenne à faire quelque chose, mais par humanité, ils doivent faire quelque chose pour nous. Vous ne ferez pas demi-tour, c'est sûr. Pour aller où? Si je repars, je meurs. Seule une centaine de migrants ont été acceptés sur le sol macédonien ce dimanche. Les laisser sortir de Grèce est une urgence absolue, selon les mots d'Alexis Tsipras, le Premier ministre grec.